Alors, je m'appelle Julie Babin, je suis didacticienne du français, membre du collectif de recherche clé qui me donne la chance aujourd'hui de partager avec vous le fruit d'un travail super intéressant auquel je collabore depuis une année. Donc, je suis chargée de cours à l'Université de Sherbrooke en didactique du français. J'ai enseigné au deuxième cycle du secondaire pendant une dizaine d'années et je travaille en ce moment à collaborer au Service national du récit domaine des langues à la conception d'un cours de français 5e secondaire qui est en ligne avec deux collègues, conseillères pédagogiques, Sonia Blouin qui est avec nous et Joanne Proux qui ne peut être présente aujourd'hui. Alors, dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, on a souhaité vous présenter une partie de ce cours-là qui est spécifiquement dédiée aux élèves, à savoir les vidéos explicatives qui sont intégrées dans un environnement numérique d'apprentissage qui est Moodle dans notre cas. Même si on a prévu une formule conférence, je vais quand même vous demander à quelques reprises d'interagir. Je vous demanderai donc peut-être dès maintenant là, de cliquer sur le lien que je vais vous communiquer. Pas celui que, pas tout de suite, Jean-Sébastien, copier. Donc, c'est la plateforme pour répondre à quelques questions. Je vous envoie le lien tout de suite. Alors, normalement, la présentation elle-même devrait prendre une petite demi-heure. Vous aurez même un peu de temps pour aller écouter quelques-unes des vidéos dont je vais parler. On va se garder quelques minutes ensuite pour discuter, répondre à vos questions ensuite, si ça vous va. Je vais aussi demander à Jean-Sébastien de surveiller le fil de clavardage pour moi. Et si vous avez besoin de m'interrompre, levez la main là, avec le bouton prévu à cet effet. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement vous résumer le contexte dans lequel le projet a vu le jour pour les personnes qui n'auraient pas encore entendu parler du projet. Ça s'inscrit dans le plan numérique, le plan d'action numérique en 2018, qui a été proposé par le gouvernement Legault. Le ministère a chargé le Service national du récit de créer une version à distance des cours nécessaires à l'obtention du diplôme d'études secondaires, dont évidemment celui de français 5e secondaire. Vous devinez bien là, que l'arrivée du coronavirus a fait exploser les besoins dans les milieux, d'où l'importance de faire connaître les ressources qu'on a créées jusqu'à maintenant. On est content de pouvoir fournir au personnel enseignant puis à leurs élèves déjà des outils supplémentaires pour développer les trois compétences en français. Le cours, au départ, prévoyait la participation de guides plutôt que d'enseignants, ce qui se voulait un peu différent des formations à distance élaborées par nos collègues d'autres matières. Sonia et Joanne voyaient ces guides-là comme des personnages qui sont jeunes, qui sont liés à la culture proche de l'élève, qui devraient revenir de manière régulière, qui laisseraient la partie enseignement à la personne qui est vraiment responsable de donner le cours plutôt que d'offrir un enseignant plus générique. À ce moment-là, par contre, on ne savait pas exactement de quoi ces guides-là allaient parler dans les capsules. On pensait au départ leur donner la responsabilité des compétences transversales, stratégies, le fil conducteur aussi. Puis comme c'était un projet du ministère, ben on avait des exigences de rigueur. On voulait rendre ces vidéos-là aussi pertinentes aux yeux des élèves. On voulait donc pas recréer des vidéos qui sont déjà disponibles ou que les jeunes pouvaient trouver par eux-mêmes. Alors, on a cherché des vidéos existantes liées au cours de français. Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice? Alors, on va commencer avec une première question. Si vous aviez à trouver ou si vous avez déjà essayé de trouver des vidéos pour le cours de français, quel moyen vous avez pris le plus souvent? Quel est votre moyen préféré pour trouver des vidéos? Vous devriez voir la question s'afficher. Donc, on a deux personnes qui utilisent YouTube, donc une recherche générale dans YouTube. Olivier dit Google dans le chat. Donc, on voit qu'on sait que YouTube contient des vidéos, mais il y a effectivement une variété de vidéos qui sont proposées. Et qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent?
Ben, c'est pas toujours ce qu'on cherchait. En fait, on va trouver beaucoup de vidéos qui sont faites en Europe. Si on suit à des moteurs de recherche généraux comme Google ou YouTube, c'est super. Il y a plein de chaînes de listes de lecture créées en France, en Belgique, en Suisse. C'est normal. C'est un grand bassin de population. Il y a beaucoup de production qui se fait là-bas, mais c'est pas certain que ça colle toujours aux élèves québécois. Programmes d'études sont différents, la culture scolaire est différente, puis ça se limite souvent à des contenus très, très précis. Vous n'avez pas idée du nombre de vidéos sur l'accord des participes passés qui existent dans le monde. Au final, ça correspond peut-être plus ou moins bien à nos besoins. On va aussi trouver beaucoup de vidéos drôles, d'ici ou d'ailleurs. Les explications sont rapides, confuses, puis manquent parfois des nuances. Ça peut induire les élèves en erreur. Il y a aussi des vidéos qui sont faites, mais pas nécessairement par des spécialistes, parce que c'est bien connu, hein, n'importe qui peut enseigner le français s'il parle. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent finalement, instructeurs, éducateurs, communicateurs sur la langue, mais le contenu n'est pas toujours aussi parfait qu'on le voudrait. C'est un contenu plutôt approximatif qui ne rend pas nécessairement utilisable en classe. Donc, au final, ben, on passe beaucoup plus de temps à chercher qu'à exploiter les vidéos de manière adéquate. Alors, comme point de départ pour le projet de formation à distance, ben, nécessairement, on s'est donné comme objectif de produire des vidéos qui répondaient aux besoins des jeunes du Québec, qui présentaient un contenu évidemment rigoureux et qui était facile d'accès, facile à trouver. Mais ce qui nous a servi le plus pour la rédaction des textes de nos vidéos, puis pour la production ensuite, c'est surtout les principes directeurs qu'on s'est donnés en début de projet. Ces principes-là sont inspirés par les recherches sur la formation à distance et les principes en didactique du français, évidemment. Je vous les résume très rapidement ici, mais quand vous recevrez la présentation, vous pourrez cliquer sur chacun pour avoir des informations complémentaires. Donc, notre idéal, c'était de créer des vidéos avec un contenu rigoureux. Et donc, on a fait contre-vérifier nos textes, nos contenus par des spécialistes, des universitaires, pour avoir leur avis, pour s'assurer qu'on n'induisait personne en erreur. On a aussi proposé des vidéos qu'on voulait inscrire dans une conception universelle de l'apprentissage, notamment en respectant des principes de diversité et d'accessibilité web, parce que on voulait que nos vidéos soient vues par n'importe quel élève qui se sente concerné, qui se sente impliqué, qui se reconnaisse aussi, y compris les élèves avec des besoins particuliers. Il a donc fallu, par exemple, s'assurer de la justesse des sous-titres dans YouTube pour s'assurer que les élèves, par exemple, qui avaient besoin des sous-titres puissent avoir des textes de qualité. On espérait aussi que nos vidéos soient crédibles. Mais qu'est-ce que ça veut dire crédible? Ben, ça veut dire qu'ils présentent des personnages puis un environnement dans lesquels peuvent se reconnaître ou du moins dans lesquels ils pouvaient croire. On a présenté les premières vidéos à des jeunes de 5e, 4e, 5e secondaire l'an dernier. Puis ils nous ont dit pour le ton puis le registre de langue que c'était correct. Ce qui est déjà très bien de la part d'adolescents, vous en conviendrez. Ils nous ont dit qu'ils y croyaient. Et on a eu des conseils de personnes qui étaient employées à la réalisation aussi pour que le style des vidéos, la forme des vidéos respecte un peu celle à laquelle les jeunes sont habitués, donc inspirées des vedettes de YouTube, du genre blog vidéo. Donc, tant sur le plan du fond que de la forme, on a essayé d'être crédible. On a conçu aussi des vidéos qui soutenaient le sentiment de présence. Si vous avez vu le webinaire de Nadia Rousseau au début de la semaine des JPS en Estrie, vous avez vu que les jeunes en apprentissage à distance, en temps de pandémie, ils ont manifesté le besoin de sentir la présence. Il y a de nombreuses recherches qui montrent que c'est un facteur clé dans une formation à distance. Donc, nos vidéos devaient mettre en scène des personnages qui tutoyaient les élèves, qui avaient recours à l'aparté, qui faisaient des blagues, pour créer une forme de complicité, pour jouer vraiment sur la corde affective. Et finalement, ben, compte tenu de l'importance de créer une vraie communauté d'apprentissage en ligne, ce qui est essentiel dans une formation à distance, on a souhaité que les personnages ne soient pas présents que dans les vidéos,
mais aussi ailleurs dans nos pages web. On a voulu leur donner un rôle d'accompagnement à l'apprentissage. Donc, de quoi ça a l'air, ces vidéos-là? J'ai fait une sélection de 4 capsules très différentes qui durent entre 2 et 4 minutes. Mais vous pourrez explorer les autres à un autre moment. Je vous aurais mis dans la présentation complète le lien vers l'ensemble des vidéos. Mais pour l'instant, on va regarder les 4 vidéos que j'ai sélectionnées et vous pourrez en choisir une ou deux et vous demander un peu quelle est la visée de chacune de ces vidéos-là. Donc, on en a 4 ici. Jean-Sébastien, tu peux envoyer le lien. Et regardez-les en vous demandant qu'est-ce qu'on voulait développer chez les élèves avec cette vidéo-là. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire apprendre aux élèves au-delà du contenu? Donc, il y a toutes sortes d'apprentissages liés au français, mais aux compétences transversales également dans une formation à distance comme la nôtre. Donc, allez voir les vidéos, puis posez-vous la question. Vous pourrez ensuite répondre dans la prochaine question du WooClap que je vais vous transférer dans quelques instants. Alors, ce qui apparaît beaucoup, ce qui vous semble le plus évident, c'est qu'on a essayé d'inciter les élèves à adopter des comportements positifs, de bonnes habitudes, de donner l'exemple ou des contre-exemples. Vous n'avez pas du tout tort. Ça fait partie, effectivement, de l'une des 4 grandes visées, c'est-à-dire de travailler sur des stratégies, des démarches, sur du comment, finalement. Comment faire les choses. Mais vous avez peut-être vu en filigrane aussi qu'on souhaitait créer un lien de confiance, travailler sur le pourquoi, l'affectif, le lien avec les élèves. Apprenants et les apprenantes. Et évidemment, on a travaillé aussi sur du quoi, l'explication de notions évidemment liées aux 3 compétences en français, mais aussi des notions complémentaires qui nous viennent parfois des recherches en didactique, des notions, des concepts que les enseignants et les enseignantes ont appris à l'université, mais qui ont peut-être laissé tomber un peu avec le temps ou avec les habitudes du milieu. On a souhaité aussi ouvrir à des éléments tiers, donc des éléments qui relèvent de la culture, de la société, en dehors de l'école finalement. Et pourquoi on a travaillé sur ces 3 éléments-là, le pourquoi, le comment et le quoi? C'est parce que c'est des composantes essentielles dans une vision, dans une conception universelle de l'apprentissage. Donc, c'est les balises qu'on s'était données au départ, parmi les principes directeurs qu'on s'était donnés, comme je vous en ai parlé au départ. Et en ce qui a trait au français plus particulièrement, ben comment ça se passe pour les 3 compétences? Je vous montre ça. Donc, évidemment, je ne prendrai pas le temps non plus de tout lire, mais derrière chaque compétence, je vous ai indiqué un peu les principaux éléments qui sont traités dans les capsules vidéo, mais notamment en lecture. On a conçu les vidéos pour faciliter la préparation et l'accompagnement à la lecture, qui sont 2 étapes qui sont souvent négligées par les enseignants de français dans les milieux. Donc, on essaie de les encourager à travailler à l'accompagnement, à la préparation, dans le sens des vidéos aussi qu'on a faites. Et on a travaillé aussi autour des œuvres littéraires complètes pour mieux faire comprendre aux élèves les raisons de lire, les façons de lire, de se rappeler ce qu'on lit, des façons de garder l'attention, des façons d'approfondir aussi les textes littéraires. Donc, on avait différentes vidéos à ce propos. En ce qui a trait à l'écriture, on a conçu les vidéos pour soutenir le travail de rédaction authentique. C'est-à-dire qu'on voulait replacer l'écriture dans son contexte de communication réelle, où il y a un destinataire, il y a un genre écrit qui est réel aussi, qui ne suit pas nécessairement une formule préétablie, qui a une certaine souplesse, mais à laquelle une forme à laquelle le ou la destinataire s'attend.
Les vidéos du début de la formation en particulier vont valoriser une démarche itérative, c'est-à-dire que il y a des allers-retours entre la version initiale et la version plus aboutie. Il y a plusieurs phases de réécriture et de révision du contenu, pas seulement de la langue. Donc, on a prévu des capsules vidéo, notamment sur le rapport à l'écrit au sens plus large, le tutoriel auquel que vous avez peut-être visionné, et des capsules sur les raisons de réécrire et les façons de réécrire. Puis, on a fait la même chose aussi avec la compétence à communiquer oralement selon des modalités variées. Évidemment, une formation à distance, bien, c'est l'endroit idéal pour faire du modelage de la compétence à communiquer oralement dans un cadre virtuel. Donc, on a dès le départ, dès le début du parcours de formation, pensé à deux vidéos sur la façon d'interagir entre pairs dans une visioconférence et sur la netiquette. Quelques bonnes pratiques que vous avez peut-être visionnées tout à l'heure pour le travail en équipe, le travail en visioconférence. Donc, tant sur l'aspect technique que sur la compétence à communiquer, la gestion des tours de parole, des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'aspect plutôt français. Après, la vidéo seule, elle est intéressante. Mais elle fait partie d'une formation qui est un ensemble. Et si on avait plaqué les vidéos, si on avait seulement fait un lien vers YouTube, ça aurait été moins intéressant, on serait moins parvenu aux objectifs qu'on avait au départ. Donc, on a placé les vidéos dans un fil conducteur. Donc, dans l'environnement numérique d'apprentissage, bien, nécessairement, on fait des références à la vidéo. Et vous pourrez aller voir des exemples concrets en cliquant sur les clés. On a pris des captures d'écran où vous voyez les guides qui apparaissent dans les vidéos, qui agissent comme lien entre les différentes phases d'apprentissage. Donc, on fait des références explicites tout au long de la formation. On valorise le contenu des vidéos aussi qui sont réexploitées dans des tâches à faire. L'élève doit évaluer sa compréhension des vidéos aussi par différentes façons. On lui propose des questions interactives. Donc, il va y avoir des arrêts à différents moments de la vidéo où l'élève peut répondre à des questions pour valider sa compréhension en cours de route. On va lui poser aussi des questions rhétoriques ou ajouter un questionnaire court à la suite du visionnement de la vidéo. Donc, ça peut aussi permettre à l'élève de soutenir sa compréhension. Le contenu, comme je l'ai dit aussi, va être réinvesti dans d'autres activités. Les vidéos ouvrent aussi à d'autres apprentissages, des repères culturels, l'ajout d'œuvres complémentaires. Il y a des occasions de développer des compétences qui sont des compétences à lire, à écrire et à communiquer oralement dans d'autres situations que le contexte scolaire. On va proposer notamment par le biais de signets. Non, ça ne fonctionne pas. Je vous le montrerai tout à l'heure. On a ajouté des compléments parfois directement à côté de la boîte de vidéo pour que l'élève, une fois qu'il a terminé le visionnement, il peut cliquer sur les liens qui l'intéressent, qui n'ont pas nécessairement un lien étroit avec le cours de français, mais qui l'amènent à élargir ses connaissances. Pour la question affective, on a voulu aussi que les guides soient récurrents, donc qu'ils reviennent à différents endroits de différentes façons, notamment dans des petites étiquettes. Ici, c'est Camille. Donc, Camille te conseille. C'est une étiquette qui revient régulièrement. Puis Camille, c'est une des personnages récurrentes dans les vidéos également. Donc, il y a une relation et une interrelation entre ces guides-là aussi. Donc, la communauté d'apprentissage inclut les guides. Donc, on va assister à des discussions entre Evan et Hugo, entre Evan et Mia, entre Hugo et Mia. Donc, on varie les combinaisons selon les forces de chacun, selon la personnalité aussi de chacun, parce que on leur a prévu des qualités, des forces, mais aussi chacun a ses défis. Et donc, ils peuvent s'entraider, ce qui est, les vidéos agissent donc comme des occasions de modelage.
Et toutes les vidéos aussi servent évidemment de support visuel auditif pour les élèves. Ils peuvent revoir les vidéos le nombre de fois qu'ils veulent. Et les vidéos se retrouvent toutes au même endroit. Donc, dans une même section d'activité, les élèves ont accès à l'ensemble des vidéos en un même endroit avec leurs notes de cours, ce qui est facilitant aussi. Et la liste de lecture est évidemment disponible sur YouTube. Donc, au final, la vidéo, c'est assurément un vidéo stimulant, un médium stimulant, pardon, mais ça nous permet aussi d'atteindre notre objectif de soutenir le développement des trois compétences en français dans une formation à distance en exploitant justement l'intégration de ces vidéos-là dans un environnement numérique d'apprentissage comme Moodle. On a développé deux listes de lecture. On va vous envoyer les liens de ces listes-là. Ils seront aussi dans la présentation. Et vous pourrez, si vous êtes curieux, aller voir certaines parties du cours qui sont déjà accessibles sur Moodle par en vous branchant avec un compte visiteur. Donc, toutes les instructions sont sur le site à la fin de la présentation. Et je vous ai également mis la bibliographie. Donc, tous les travaux sur lesquels on s'appuie dans le cadre de la conception de ce cours. Voilà. Donc, on a commencé à E5 et 6, il était 35 et 36, on est dans les temps. Et comme on est peu nombreux, on va pouvoir avoir une vraie discussion. Et si vous avez envie de poser votre question à voix haute, ça va me faire plaisir de vous écouter, d'échanger avec vous. Donc, est-ce que Madame Boudreau, Madame Pilon Desjardins, je vais profiter de votre présence comme externe pour répondre à vos questions si vous en avez. Madame Pilon, vous pouvez décrire un message dans le clavardage. Parfait. Bonjour, j'ai peut-être une question pour vous. Ben oui. Oui, j'enseigne du côté de l'Ontario à la Cité collégiale, donc je suis vraiment au niveau postsecondaire. On met beaucoup l'accent dans nos cours de français sur le français comme langue de travail. Même si mon cœur est toujours axé vers la culture, je trouve ça tellement important. Alors, j'apprécie beaucoup ces vidéos-là. Vraiment, c'est un médium qui peut certainement créer beaucoup de liens avec les étudiants. C'est comme ça qu'ils vont chercher l'information de toute façon. Et puis oui, donc, c'est une belle découverte pour moi. Je ne connaissais pas. Vous avez mentionné le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques. Je connais, mais je pensais que c'est davantage niveau primaire, secondaire. Vous pensez qu'ils ont peut-être développé des éléments qui seraient utiles au niveau collégial? Collégial, peut-être pas. Okay. Par contre, le cours que nous, on développe étant pour le secondaire, ben nécessairement, on s'inspire quand même de leur oui. proposition. Mais oui, effectivement, oui. pour le niveau collégial, il y a peut-être lieu d'adapter certaines de leurs recommandations. Là. Oui, j'avoue que oui, je suis au niveau collégial, mais mes étudiants de première année, souvent, sont... C'est proche de la cinquième secondaire. Oui, mais... beaucoup. Oui, selon le coin de la francophonie d'où ils viennent. Là, mm-hmm. S'ils viennent de l'Ontario, il y a une suite logique au niveau collégial. Mais s'ils viennent d'ailleurs, ça permet justement de créer des liens, surtout sur le plan culturel. Là, c'est vraiment fort intéressant. Okay. On a d'ailleurs, je ne sais pas si elle est dans celle que j'ai vue, je ne pense pas, mais on a une vidéo sur les repères culturels qui va sûrement vous intéresser beaucoup. Ah, merci. Donc, on a rajouté en cours de vidéo des arrêts, donc des arrêts sur image où les élèves doivent répondre à des questions, où il y a des hyperliens qui les amènent à faire des visites virtuelles ailleurs. Donc, il y a de quoi peut-être vous satisfaire en ce sens-là. Oui, bien, je vous remercie beaucoup. C'était une découverte pour moi aujourd'hui. Tant mieux. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, je pense que ça va clore la présentation. Ben moi, je vais me permettre de... Oui, de clore, de conclure, de poser une question. Je te remercie, Julie, pour cette présentation. Pour moi-même, qui connais un tout petit peu le projet, c'est encore une belle découverte du potentiel et de la richesse de ce que vous avez élaboré. Donc, félicitations à votre équipe. Puis, je crois que ça s'inscrivait bien dans... la perspective de la semaine de soutien à la persévérance et à la réussite. On voit combien aujourd'hui on a à déployer comme ça de nouvelles formes de soutien à l'apprentissage. Moi, je dois dire aussi que pour ce que tout à l'heure, j'ai quand même regardé là, une des vidéos, en particulier, peut-être pas par hasard, celle sur le rapport à l'écrit. Et
Je pense que la façon dont vous avez monté cela, c'est même un outil qui pourrait servir en dehors du contexte pour lequel il a été pensé. Donc, on pourra voir aussi ensemble comment, même pour les activités qu'on crée maintenant à l'université et pour la sensibilisation qu'on veut faire à l'université sur nos propres étudiants, pour qu'ils puissent réfléchir à leur propre rapport à l'écrit. Il me semble que, par exemple, l'animation autour des éléments du cadre, là, avec les questions sur… La forme tutoriel est intéressante, oui. Voilà, ce que j'ai vu dans le tutoriel, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être exporté aussi. Oui, tout à fait. Dans ce contexte de formation-là, entre autres pour notre nouveau cours qui serait proposé aux étudiants de première année, là, sur l'entrée dans la lecture et l'écriture à l'université, oui, dans lequel oui. il y aura un module de réflexion sur le rapport à l'écrit. Donc, ce serait intéressant de pouvoir bénéficier là, de ce que vous avez réalisé déjà dans ce contexte-là. Oui, tout à fait. En fait, si on peut inspirer aussi d'autres gens, puis éviter de tomber dans le piège, l'équilibre est difficile à atteindre entre le fait de créer une vidéo intéressante, stimulante, mais aussi rigoureuse sur le plan du contenu, puis porteuse sur le plan des apprentissages aussi. Parce que il y en a plein le web, des vidéos intéressantes, stimulantes, mais peut-être qu'il y a moyen de trouver un équilibre intéressant entre les deux. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a la prétention d'être peut-être arrivé à quelque chose de pas si mal là, pour le projet de formation à distance au récit. Alors, merci beaucoup de nous avoir accueillis au collectif Clé ce midi. Et on salue toutes les personnes qui n'ont pas pu être là, mais qui vont visionner. Merci à vous. Oui, donc c'est ça. La présentation sera disponible. Jean-Sébastien, tu peux le rappeler peut-être via le site du collectif ou la page Facebook, je ne sais pas. Oui, en fait, dans quelques jours, on va faire un petit montage, puis on va mettre ça sur notre chaîne YouTube et ensuite, ça va être déposé également sur notre site et on va le diffuser via notre page Facebook également. Parfait. Je pourrais le relayer aussi. Oui, tout à fait. Donc, vous pourrez le relayer au niveau de vos réseaux, au niveau du ministère aussi. Donc, merci à vous et bravo. Puis on est bien impatients de voir la suite de votre travail. Ça s'en vient. Alors, voilà. Au plaisir. Merci. Bonne journée. Merci, Julie.